Coucou tout le monde, je viens pour vous faire une petite vidéo puisque je suis allée chez Schlecker. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un magasin en fait allemand et j'ai lu sur internet qu'ils vendaient des produits essence et des produits Catrice, etc. Donc je me suis dit oulala, il faut que j'y aille. Donc j'en ai fait plusieurs parce qu'il y en a certains où justement ils n'ont pas de produits essence, les petits Schlecker n'ont pas de produits essence, donc j'étais dégoûtée. Et finalement, j'en ai trouvé où ils vendaient des produits essence et j'ai en même temps craqué pour plein de petites choses. Alors je vous montre un petit peu pourquoi j'ai craqué. Alors tout d'abord, j'ai acheté plein de vernis de la marque Basique. Donc un petit vernis vert qui coûte 99 centimes. Donc ça c'est super pratique. En fait ils font la même taille que les Mavala. Hein. On dirait qu'ils sont plus petits mais en fait non, ils font la même taille. J'ai essayé par curiosité en fait, juste sur les ongles, hein, passer comme ça sans vraiment... voilà. Et ils sont super opaques en fait. Et ils ont l'air super bien. Donc voilà. J'ai pris celui-ci. Qui est trop joli. J'ai pris celui-ci qui sera parfait je pense pour cet hiver. Voilà. Celui-ci qui est un espèce de violet très foncé que vous devez peut-être voir noir. Je vais essayer de jouer sur les reflets mais voilà. J'ai pris un rose barbipute, comme dirait Dabling. Bien pétant pour l'été. Un autre rose un peu plus foncé avec des reflets un peu argentés. Un espèce de bleu violet un peu qui est très joli. Vous voyez pas trop les reflets violets, il y en a un peu plus que ce que vous voyez là. Et un espèce de mauve argenté super chouette qui fait très métallisé celui-là. Très sympatoche. Donc voilà. Ensuite j'ai pris aussi un vernis Catrice puisque j'avais envie d'un vernis nude. Et donc ce vernis c'est le My Café au lait at Notre-Dame. Et voilà. Donc c'est un gros vernis nude. Je sais même plus combien je l'ai payé celui-là. 2,79€ pour 10 ml. Donc ça va. Je ne l'ai pas essayé encore, hein, mais il a l'air fort sympathique. J'ai pris également la fameuse palette correctrice que je crois que j'avais vue sur une vidéo de DJ. D'ailleurs, j'ai fait des bisous. Hein. La palette correctrice avec des fards beige pour tout ce qui est correction d'imperfection, oui c'est ça. Ensuite le rose pour cacher un peu les cernes, pour estomper la teinte un peu bleutée des cernes, et puis le vert pour cacher les rougeurs. Et ça fait 3,70€ et quelques, donc ça valait vraiment le coup. J'ai juste mis le doigt un peu dans le fard et enfin dans le rose là, et il a l'air assez crémeux, donc je pense que ça va pas trop dessécher. Ça a l'air super sympa. À voir, je vous dirai ce que j'en pense. Je me suis pris également de chez Catrice un mascara qui s'appelle All Round Mascara Waterproof Extra Volume Length and Curl. En gros, il fait du volume, il fait de la longueur et il recourbe. Et il est waterproof, j'en avais besoin pour partir en vacances. Il me fait penser un peu la brosse au Colossal. Je sais pas si vous avez le temps de voir, peut-être pas, j'ai été vite. Donc à voir, ça a pas l'air de faire trop de paquets visiblement quand on sort, donc à voir. Et je l'ai payé que dalle, hein, un truc dans les... je sais même plus combien je l'ai payé. 3,79€, voilà, pour un mascara, c'est pas la mort quoi. De chez Catrice, j'ai aussi pris deux rouges à lèvres, donc un comme ça, je trouve le packaging super mignon. C'est méga fun. Et c'est la teinte Urban Baroque. Ah non. Urban Baroque, ça doit être le... non, c'est pas la teinte Urban Baroque. Urban Baroque, ça doit être le nom de la collection. Je pense que ça doit être Marie-Antoinette, le nom du rouge à lèvres. Et il est comme ça. Alors, il a l'air foncé comme ça. Et en fait, en swatch, pas du tout. Il est quand même assez clair. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Et en fait, il fait un espèce de nude rosé sur les lèvres. Il est magnifique. Et en plus, il est très crémeux. Donc, super étonnée. Et j'ai pris un autre rouge à lèvres Catrice qui s'appelle
C'est de la gamme Ultimate Color, il s'appelle Princess Peach. Bon, vous allez peut-être rien voir parce que ça brille. Et alors lui, c'est une tuerie. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils sont vachement incurvés pour des rouges à lèvres. Enfin, normalement, ça, c'est quand il est usé. Mais non, il est neuf, hein, je vous jure. Mais c'est marrant comme ils font leur rouge à lèvres. Enfin, bref. Et ça, c'est alors, c'est une pure tuerie pour l'été, quoi. Puis même tout le temps, moi, j'adore l'orange, de manière. Alors, l'orange corail, c'est mon kiff. Il est magnifique. Hyper crémeux. Kiffant. Ensuite, donc, j'ai trouvé mes petits produits essence, même s'il n'y en avait pas des masses non plus. Et donc, j'ai pris... ce super beau vernis qui s'appelle Trust in Fashion. Voilà, et qui est un espèce de vert. Un vert, je sais pas trop comment le qualifier, mais qui est super beau. Sachant que les vernis faisaient. Que je retrouve. Ben, je sais pas. 1,29€. Ouais. 1,29€ apparemment. Alors je sais pas s'il y avait si c'était en solde ou pas, mais bref. Et j'en ai pris un autre qui est le Red E2Go. Qui est juste le plus beau rouge du monde entier, je crois. Je vais le kiffer, il a des reflets roses un peu. Rose rouge, il est trop beau. Donc voilà, j'adore. J'ai pris aussi un lip liner, donc un crayon pour les lèvres dans la teinte Nude Coral. Parce qu'en fait j'avais des contours des lèvres un peu orange, rouge, rose, mais j'avais pas vraiment de corail, enfin entre les deux en fait. Donc j'ai pris celui-là et je pense qu'il va être vraiment parfait, bien qu'il a quand même plus de teinte rose que de teinte orange. Mais bon, je pense qu'il va être pas mal quand même pour mettre avec tous mes rouges à lèvres corail que j'ai. Parce que j'en ai 500 000 à force, hein. Limite je les collectionne on dirait. Et enfin je me suis un peu lâchée sur les nouveaux lip gloss qui tiennent soi-disant longtemps. Là, j'en ai pris 4. Il y en avait un qui était plus foncé mais je l'ai pas pris parce que je savais que je le mettrais jamais. Et je les ai tous swatchés sur mes lèvres vite fait dans la voiture tout à l'heure. J'ai pas pu m'empêcher. Et donc j'ai pris celui-ci. Alors attendez, le prix c'est 1,99€. Et donc j'ai pris celui-ci qui est un super joli nude, mais vraiment le nude par excellence, qui s'appelle My Favorite Milkshake. Voilà. Donc j'essaie de vous faire un swatch, mais vous n'allez pas y voir grand-chose à mon avis. Parce que celui-là il est vraiment nude, mais nude parfait quoi. Vraiment le gloss nude, voilà. Qui va juste raviver un peu la couleur des lèvres, je kiffe. Ensuite on a... encore un espèce de un rose Barbie pute, mais cette fois en version gloss. Donc celui-là, c'est le Me and My Ice Cream. Voilà. Alors, ils sont... j'adore l'odeur. Enfin, moi, j'aime bien. Regardez l'embout. C'est trop bizarre. J'ai pas l'habitude des embouts un peu tout tordus comme ça. Là. C'est assez marrant à appliquer, c'est bizarre, mais... why not, j'ai envie de dire. Et donc c'est celui-là, là, juste en dessous. Bon, vous voyez forcément pas énormément, parce que c'est des gloss, hein, donc voilà. Ensuite, j'ai un espèce de corail, plus ou moins, ouais. C'est le Candy Bar. Voilà. Qui pète sa mère. Qu'est-ce que je parle bien. Qui est comme ça. Donc lui qui est vachement pigmenté et qui va bien pulser sur les lèvres. Et enfin, j'ai celui-ci. Que au début je me suis dit, ouh mais putain, pourquoi t'as acheté ça. Voilà, qui est assez pétant. Qui est le Trendsetter. Qui est un fuchsia foncé. Je rigole parce qu'en fait il y a ma mère qui tient mon chat dans les bras. Et il y a le chat qui me regarde avec un air complètement abruti. Donc ça me fait rire. Donc celui-là c'est un fuchsia super foncé. Et je pense que là... avec des yeux très peu maquillés comme j'ai là par exemple, mettre ça, franchement ça déchire. Donc un vrai fuchsia foncé, très joli. Et enfin de la marque Basic, j'ai oublié de vous montrer, c'est ce que j'ai plus ou moins sous les lèvres mais qui s'est un peu barré. C'est un lip gloss rouge pétard. Mais alors hein, quand je dis pétard c'est vraiment... voilà,
Et il est super agréable à porter sur les lèvres. Là, bon, il a commencé à se barrer parce que je l'ai depuis super tôt, du coup, ce matin. Il a commencé à se barrer, et encore que je trouve qu'on le voit encore bien. Il est hyper pigmenté, quoi. Faut vraiment en mettre très peu. Il est modulable, enfin, il déchire, quoi. Et ça coûte que dalle, ça. Je crois que ça coûte 1 euro. Attendez, je vérifie. Basique. Blablabla. Ouais, bah pareil, 1,99€ en fait, comme ceux-là. Et franchement, hyper pigmenté quoi, et ça fait un super joli effet sur les lèvres. Voilà, peut-être que je vais oser porter du gloss rouge, dis donc. C'est merveilleux. Et bah voilà, c'était mes petits achats folie chez Schlecker. Bah j'espère que ça vous aura plu. Et puis sur ce, je vous fais plein des gros mimi. Bye bye!